Monsieur Ali, tu es là. Tu s'il te plaît, attends dehors. Je suis un peu occupé. Il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses se sont passées et tu ne me l'as pas dit. Usna, je te demande quelque chose. D'accord. Tu veux agir noblement comme tu le fais toujours, n'est-ce pas? Peut-être que tu oublies. Elle est ma tante, pas le vôtre. Tu as raison. C'est ta tante. Où étiez-vous quand elle avait le plus besoin de toi? Tout est arrivé à cause de toi. Tu m'as tout caché intentionnellement, pour que tu puisses agir bien et me faire mal paraître. Très bien alors. Je suis mauvais. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille alors? C'est parce que tu es ma femme. Oui. Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Il est mon grand-père. Elle est Annie. Salutations. Salutations. Entrez s'il vous plaît, venez. Merci. Chérie, où est ta mère? Elle est à la maison. Laisse-moi l'appeler. Ok, ma fille. Salutations, tante. Il est mon grand-père. Et c'est mon petit frère. Salutations. Veuillez vous asseoir. Merci. Shehriyar. Qui est-elle? Tu ne l'as pas présentée. Grand-père. Elle est Usna. Que Dieu bénisse. J'ai entendu de bonnes choses à ton sujet. Je veux te féliciter. Vous avez bien formé vos petits-enfants. De la façon dont il nous a aidés, nous ne pouvons pas lui rendre faveur même si nous voulons. Qu'est-ce que tu dis? C'était son devoir. Annie, va apporter des collations et du thé. Oui. Non, une telle formalité n'est pas nécessaire. Je voulais demander quelque chose. Et j'espère que tu l'accepteras. Tu viens de nous donner l'ordre. Qu'est-ce qu'on a encore? Je veux demander la main d'Annie à ta fille en mariage. Pour mon petit-fils. Et j'espère que tu ne nous rejetteras pas. C'est une excellente nouvelle. Mais quoi? Mais. Il y a beaucoup de différences entre nous et votre statut. Ces choses n'ont pas d'importance à mon avis. Les humains apprécient plus que ça. Et entretenir des relations est plus important. Si tu penses comme ça, alors nous n'avons aucune objection. Alors devrions-nous garder cette relation? Oui, comme vous voulez. Beaucoup de félicitations. À vous tous. Annie, ma fille, va. Prends quelque chose de sucré et distribue-le. Oui, j'apporte. Oh.
Bonjour. Comment vas-tu, Usna? Bilou, toi. Pourquoi m'as-tu appelé? C'est arrivé. Ce que je te disais. Je ne comprends pas. C'est ton innocence. Et Tamana profite de son avantage. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Écoutez. Je te raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Bilou, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Ok, n'écoute pas, si tu ne veux pas. Je t'ai appelé pour ton propre bien-être. D'accord. Dis-moi, que veux-tu dire? Je viens de voir ta sœur Tamana. Et tu sais avec qui? Que veux-tu dire? Dis-le clairement. Mais souviens-toi d'une chose, Bilou. Si tu as dit un mensonge, alors je te traiterai mal. Pourquoi dois-je mentir? Tu connais ton mari. Quel est son nom, Ali? Il traînait avec Tamana. Comment est-ce possible? Il rentre à la maison. Je ne sais pas à ce sujet. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors pourquoi tu me dis? Mina est ta femme de toute façon, pourquoi pas? Tu l'emmènes avec toi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais ton mari Ali, il n'a rien écouté contre Tamana. Je m'en suis éloigné avec tant de difficultés. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec une fille qui aime quelqu'un d'autre? Regarde Bilou, tout est passé. Mina est enceinte. Toi, est-ce que tu comprends? Elle va être la mère de votre enfant. Quoi? Enceinte. La mère de mon enfant. Es-tu devenu fou? Crois en moi, Bilou. J'ai vu le rapport de Mina. Une minute de Usna. Tout d'abord, je n'ai jamais eu une telle relation avec Tamana. Elle ne m'a même jamais parlé correctement. Et tu dis qu'elle va être la mère de mon enfant. Comment est-ce possible? Je l'ai vu me signaler moi-même. Je ne comprends pas ça. Alors Usna, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? Soit elle te ment. Ou. Ou quoi? S'il te plaît, ne t'en fais pas. Ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être l'enfant d'Ali. Ce n'est pas possible. Tais tes bêtises. Très bien. Bonjour, le docteur Farah parle. Oui, qui es-tu? Je suis Tamana qui parle. Tamana, toi? Oui. En fait, docteur, mon mari est venu te rencontrer aujourd'hui, si tu te souviens. Oui, oui. Il m'a rencontré, mais il disait qu'il n'était pas ton mari. Tu m'écoutes, docteur? Tu m'as fait dire un si gros mensonge que tu es enceinte. Toi? Tu n'as pas dit ça à Ali. Comment pourrais-je ne pas lui dire? Tu trompes un homme innocent. Tu m'as piégée. J'ai tellement honte de moi que j'ai ruiné la vie de quelqu'un. Docteur, qu'avez-vous fait? Tu me dis ça. Au lieu d'être gênée, tu me blâmes. Eh bien, je lui ai dit toute la vérité, tu n'es pas enceinte. Non, non. Ali a appris toute la vérité.
Non, non. Non, non, ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas possible. Maintenant. Maintenant, Ali n'aimerait même plus voir mon visage. Il va me détester. S'il allait à Usna? Qu'est-ce qui t'arrivera, Tamanna? Pourquoi Ali? J'ai tout fait pour toi. Mais ce n'est pas suffisant pour toi. Maintenant, même Bilou s'est écarté de notre chemin. Ce n'est pas possible. Ali ne peut pas être avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le voir être avec quelqu'un d'autre. Ali n'est qu'à moi. Je t'aime, Ali. Je vous aime. Je vous aime. Qu'est-ce que tout ça? Je suis trompée dans ma propre maison. Ali, tu n'étais pas comme ça. Je mets ma confiance en toi. Et Mina? Elle est comme ma sœur. Alors pourquoi tout cela arrive-t-il? C'est le plan de Mina. Elle veut m'enlever Ali. Non. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai fait une erreur en amenant Mina dans cette maison. Mais maintenant je dois rattraper cette erreur. Mina doit retourner à Bilou. Parce que je ne peux plus le tolérer. Mera sab kuch
Réveillé. Où êtes-vous allé? Boire de l'eau. L'eau est ici. Je n'ai pas vu. Je ne devrais pas faire douter de moi. Que je sais tout. Ouah. Annie est arrivée si tôt. Producteur, tu es là. Comment tu te souviens de moi? Je ne t'ai jamais oublié, Vicky. En fait, tu m'as oublié. Ça suffit, Vicky. J'ai besoin de mon argent à tout prix. Pourquoi es-tu si en colère? Je t'ai dit que tu recevrais l'argent. Comment tu me parles? Comment tu me parles? J'en ai marre d'entendre que j'obtiendrai l'argent, c'est suffisant. Dis-moi, quand vais-je les recevoir? Je t'ai dit que tu les recevrais quand je les aurai. Non, pars d'ici, pars. Et si je dis que je veux mon argent ici, tout de suite? Ma réponse sera la même qu'en ce moment. Je n'ai pas d'argent. Maintenant, pars d'ici, sors. Non, Vicky. Toi. Tu ne peux pas me faire ça. Sinon, tu me donnes de l'argent? Sinon? Sinon quoi? De toute façon, tu n'as pas gagné cet argent de manière légitime. Ce ne sont pas tes affaires. De quel genre d'argent c'était? Maintenant, tu verras.